Avant toute chose, parlons un peu de ton match. Un but sur un tir de pénalité, quelques échappées que tu n'as pas concrétisées. Mais parle-nous un peu de ce match-là. Comment tu as vu ça? J'ai bien performé. J'ai eu des bonnes chances. J'ai créé des bonnes occasions là, à des avantages numériques. T'sais, j'ai bien les jeux. C'est sûr que j'ai manqué une couple de chances, mais ça surprend ça. Parle-nous un peu de ta progression depuis le début de la saison, parce que c'est la première fois qu'on t'a dans l'après-match, Michael. Ça a pris du temps avant que tu comptes ton premier but. Tu avais plusieurs mentions d'assistance. Là, finalement, ben, ça semble vouloir débloquer de ce côté-là, du moins. Je trouve que ça débloque. Là, après que tu fais ton premier but, puis au fur et à mesure, ta confiance elle monte, puis tu scores. Puis là, l'autre game d'après, tu refais un autre but, puis ça remonte encore plus. Quand on parle des joueurs qui profitent de leurs occasions, dans le sens où il y a eu plusieurs blessés, tu as eu beaucoup plus de temps de glace également. Alors, il y a aussi l'aspect d'en profiter quand ça se produit. Oui, ben, j'avais profité de mon temps de glace, mais mes coéquipiers, Loiseau et Plante, je trouve qu'on fait un bon trio ensemble. On joue bien, on profite des occasions. Ton entraîneur, en parlant bien de toi, pour un choix de 9e ronde, Michael, c'est quand même des embûches. D'abord de faire l'équipe pour un choix de 9e ronde, c'est pas automatique. Puis ensuite, d'obtenir un poste maintenant régulier sur les trois premières unités. Alors, tu as fait du chemin, tu dois être très content de toi aussi. Je suis très fier. Ça n'a pas été facile. Comme tu as dit, partir de 9e ronde puis faire l'équipe, il faut que tu gagnes la confiance des entraîneurs, du DG, de Philippe. Puis une fois que c'est gagné, ben, tu en profites. Toutes les occasions que tu profites des chances. Puis c'est là que tu en profites. Merci, Michael. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Voilà pour.